plus de souffrance au ciel. Elles sont pas déjà couchées à cette heure-ci. On aurait dû appeler en route. On vient de rouler pendant 10 heures et elles sont couchées. Chut, ne fais pas de bruit, surtout. Je ne voudrais pas que maman se réveille, d'accord? Je vais aller voir comment va Rosetta avant de sortir les bagages de la voiture. Rosetta? Rose! Nick! Oh, Seigneur! Mais qu'est-ce que c'est? Rose! Qu'est-ce qui se passe? Franny, qu'est-ce qui se passe? Elle a bu de l'ammoniaque, maman. Rosetta, pourquoi tu as fait ça? Vous ne pouvez pas l'emmener comme ça! On va la conduire à l'hôpital au plus vite. Le lavage d'estomac semble avoir réussi. Est-ce qu'elle va vivre? Je ne sais pas si elle veut vivre. C'est par là. Non. Vous êtes la dernière personne qu'elle a besoin de voir en ce moment. Je comprends très bien, mon enfant, mais le docteur m'a demandé de veiller sur elle. Bon, d'accord, mais surtout pas de serment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on souffre? Il faut que tu me dises ce qui s'est passé, Rose. Il n'y a plus de souffrance au ciel. Rose, ce n'est pas à toi de décider quand tu dois aller au ciel. C'est Dieu qui décide ça. Tu n'iras nulle part, tu entends, Rose? Parce que Dieu... Dieu ne veut pas que tu fasses des choses pareilles. Et je te préviens, si jamais tu recommences, tu vas aller tout droit en enfer. Embrasser les notes, non pas les combattre. Maman, écoute-moi. Rose va peut-être mourir, elle a besoin d'aide. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle ne savait pas ce qu'elle buvait. Mais elle le savait, maman, elle a voulu se tuer. Oh, ne sois pas si mélodramatique. Moi? J'ai parlé au docteur moi-même. Ils ont fait tout ce qui était possible. Et moi aussi, ils ne peuvent rien faire pour l'aider parce qu'elle n'a plus le goût de vivre, maman. Ne sois pas ridicule, tu veux? Elle ne saurait même pas ce que ça veut dire. Elle allait très bien. On allait toutes les deux très bien. Et ce sont tes stupides lettres qui l'ont bouleversée. N'essaie pas de me raconter de tes absurdités. Je t'interdis de elle me parler. Elle n'est pas bien du tout et tu le sais, je l'ai entendu dans sa voix au téléphone. Et je l'ai lu dans les lettres qu'elle m'a écrites. Je connais les signes, maman. C'est pour ça que je suis revenue. Nom de Dieu, veux-tu me dire ce qui s'est passé?
t'assure, Regina, ça n'est pas normal. La pauvre, elle ne fait même pas un son. Marque, io non capisco, tu n'étais pas comme ça avec les autres. Elle n'est pas comme les autres. Personne ne doit le savoir. Et il faut la traiter normalement. Tu en as honte, c'est ça? Combien de temps tu vas la garder enfermée? Ça vaut mieux pour elle que je la garde ici avec moi. Rosetta, viens des couilles. Viens des couilles. Ah, viens à papa. Ma, guardami. Guardami. Franck. Rosetta. Et mamma Rosetta, guardami. Guardami. Ma chérie, je t'aime. Regarde-moi, chérie. Regarde-moi, Rosetta. Tu sais, je t'aime. Comme ça. Je veux que tu tiennes le là et décrescendo. Mais... Ne proteste pas. Chante-le pour moi, Michel, d'accord? Je t'ai dit de tenir le là aigu, tenuto. Je t'ai montré comment. Alors fais-le. Mais madame, ce n'est pas écrit de cette façon. C'est la façon dont tout grand soprano le chanterait, Michel. Votre fille en connaît plus que moi. Je crois que vous devriez lui trouver un professeur digne de son talent. Madame, mais je ne sais rien. Pardonnez-moi. Dieu t'a donné un don, Michel. Il ne faudrait pas le cacher. Gina, cesse de t'en faire à cause de la petite. Les médecins ne connaissent pas tout. Ce n'est pas de ta faute. Franco. Tommy, viens déjeuner. Je ne veux pas que vous soyez en retard pour la répétition de la chorale. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tu veux du gâteau? Buongiorno, papa. Gâteau. Est-ce que tu peux dire gâteau? Gâteau. Francesca, peut-être bien que le bon Dieu ne veut pas que Rosetta dise gâteau. Gâteau. Qu'est-ce que ça peut lui faire, maman? Gâteau. Dis gâteau. Franco. Ma, qu'est-ce que tu veux, Regina? On ne peut pas l'empêcher de vouloir aider sa sœur tout de même. Elle plus si elle acceptait le fait qu'elle ne sera jamais comme les autres. Mais ce n'est pas une raison pour l'enfermer. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle aille à l'église. Rose veut aller à l'église, maman. Regarde-la. Mangiato. Tommy, Rosetta ne sait pas comment se conduire. Oui, elle le sait, maman. Tout le monde est bienvenu dans la maison de Dieu. Thank you.
Bravo, bravo. Je crois que j'ai un bel avenir sur scène, hein, maman? Ah, ou peut-être un bel avenir à la radio, ça rapporte plus. Je veux que vous me jouiez l'Ave Maria maintenant. Avec cœur et émotion. Essaie de bien te concentrer, Violetta. Maman, je ne peux pas me concentrer avec Francesca plantée là devant nous. Vieni, Francesca, hé, vieni. Tu vas jouer aussi. Franck. Elle va déranger les autres. Tiens. Oh, tu sais très bien qu'elle ne peut pas se servir de son bras. Tu vas jouer, hein? Absolument. Franco, pourquoi tu l'encourages à vouloir faire des choses dont elle est incapable? Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'amuserait pas aussi, hein? Enfin... Mes amis entendent ça. Bah, qui est-ce qui lui a appris ça? Ça lui est venu comme ça. C'est simplement des singeries. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais laisse-la jouer. Je ne veux pas que tout le voisinage entende parler de ça. Allez, viens, Rosetta. Allez. Venez, les enfants. Andiamo, andiamo. On reprend du début. Francesca, tu veux venir jouer avec nous? Oh, je veux pas jouer avec elle. Elle peut rien faire avec son bras. Oh, laisse-la jouer. Pourquoi faire? C'est une infirme. Et sa sœur est une débile mentale. Elle n'est pas débile. Oh, mais qu'est-ce que tu prends? Tu sais très bien qu'elle est débile. Hé, hey. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe? Cessez tout de suite. Cessez de vous chamailler. Ça suffit. Francesca, allez, laisse. Reprends encore. Je viens. Alors, où est-il ce mauvais rêve qui fait peur à notre pauvre Rosetta? Là. Ah, je l'ai. Je le tiens. Tu vas laisser cette petite fille tranquille. Le méchant rêve est parti à présent. Tu vas pouvoir dormir en paix. C'est la médaille de Saint-Christophe qui t'intéresse, hein? Qu'est-ce qui lui fait si peur? Oh, des choses de son monde, je suppose. Parfois, c'est un monde tout calme, et parfois, c'est rempli de méchants monstres. Comme l'enfer et le ciel, tout mélangé ensemble. L'enfer et le ciel? Tiens. Tu peux le garder avec toi aussi longtemps que tu voudras. Au lit. Rendors-toi. Je voulais jouer avec les amis de Violetta aujourd'hui, mais ils n'ont pas accepté. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rire et se moquer de mon bras. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. S'ils veulent rire et se moquer, tu les laisses simplement faire. Parce que si tu t'apitoies sur toi-même, ils ont gagné. D'accord? Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Vous avez oublié de fermer la radio? Dors bien. Attends.
Regarde. Cheval. Essaie de dire cheval. C'est pas le bémol. Dis cheval, Rose. Excusez-moi, Madame Basilio. S'il vous plaît, essayez encore. Romeo Babi. Madame Simpson. Oui, c'est un la bémol. Encore. Regarde. Essaie de dire cheval. Allez, reprenez du début. Est-ce qu'on pourrait travailler en paix? Eh bien, la note n'était pas très juste. Je vais me chercher un verre d'eau. Pour Rosetta. Pour Mamma. Violette, qui a composé Carmen? Bizet, né en 1838. Essaie de dire viande. Essaie de dire viande. Essaie de Rosie. Dire viande. Essaie de dire viande. Donne-lui son assiette, Francesca. Il ne faut pas lui en demander trop. Dis pain. Dis pain. Francesca. Aïe, cette note, Rose. Fa dièse. Aïe, Madame Sims. Pourquoi tu fais ça? Il faut garder Rosetta avec vous quand je donne mes leçons. Attends un peu, je vais t'aider. De quoi elle se plaint, cette femme? C'est clair qu'elle n'a aucun talent pour le chant. Madame Sims. Merci. Mais Francesca doit apprendre à couper sa nourriture elle-même. Et ce n'est pas la peine de me regarder comme ça. Couvert. Dis couvert. Si Rosetta était en mesure de poursuivre une conversation, elle l'aurait fait déjà depuis longtemps. Pas grâce à toi, en tout cas. Je te demande pardon. Tu as très bien compris. Tu l'encourages à faire des choses qu'elle est incapable de faire. Hé, hey Gina, basta! C'est inutile et c'est cruel, Franck. Et il faut que ça cesse une fois pour toutes. Je ne comprends pas. C'est tellement ridicule quand tu essaies de... Fini, Gina! Mademoiselle, le mieux, ce sera tout pour l'instant. Merci. Ah, Madame Basilio, nous mourions d'envie de vous rencontrer. Je suis ravie. Madame, quelle journée de vie, n'est-ce pas? J'ai pensé vous chanter l'air d'adieu de la bohème. Ah, oui, oui. Mais... Si vous voulez bien vous asseoir. Ah non, Madame Basilio... On ne vous a pas fait venir ici pour chanter. Et nous espérions que vous pourriez nous donner un coup de main. Avec votre vaste expérience de l'opéra et de la mise en scène, nous voulions un avis professionnel avant de produire une extravagance de ce genre. Et des recommandations pour les choristes. Certains de vos élèves, peut-être. Nous voulions que notre campagne de souscription pour l'hôpital King George démarre avec beaucoup de chic. J'espère que vous n'êtes pas offensés. Nous aimerions vous montrer la maquette des décors. Venez. Fanny, surveille ta soeur. Thank you.
Oh, che fai? Vatti! Pomodori, pomodori! Oh, che è questo baccano? Dai, vai! No, va via, t'ho detto! Ma cosa c'ha questa qua? Cecilia! Shh! No, non piangi! Vieni a papà! Vieni qui, Rosetta! Vieni qui! Shh! Non piangi, non piangi. Tout ça, c'est ma faute, papa. J'ai oublié de la surveiller. Francesca, senti. Surtout, ne dis rien à ta mère, hein. Andiamo. Francesca, tu ne devrais pas espionner les gens. Viens t'asseoir avec moi. Papa dit que vous vous êtes amusé au marché. Tu as envie de m'en parler? Est-ce que tu vas chanter au théâtre? La, 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 la. Tu sais, le docteur a dit que j'étais trop vieille pour vous avoir, toi et Rosetta. Mais je vous ai eu quand même. Vous étiez des cadeaux de Dieu. Madame Sims dit que les bébés viennent au monde parmi les choux. Alors pourquoi tu m'as choisie? Parce que tu es comme moi, Francesca. Tu es un être fort. Tu te souviens de mon élève Michel, n'est-ce pas? C'était une de mes meilleures sopranos. Elle t'a toujours adorée. Ah, oui. Est-ce que je t'ai dit que j'enseigne à sa fille maintenant? Imagine. De toute façon, j'ai parlé à Michel. Je lui ai dit que tu étais revenue et elle veut nous inviter toutes les deux à dîner la semaine prochaine. Regina, mais de quoi parlez-vous? Nous ne sommes là que pour quelques jours. Oh, ce serait un tel plaisir, Nick. Il faut que je retourne au travail. Qu'est-ce que tu veux que je dise à Michel? Dis-lui que ce sera une très grande joie de l'avoir. On ferait mieux de se dépêcher, sinon on va rater les heures de visite. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On est venu ici pour Rose, et voilà que ta mère dit à tout le monde qu'on emménage. Et en plus, elle me traite comme son valet. Je suis ouverte à toutes les suggestions sur la façon de faire face à la situation. Mais dis-lui que tu as une maison et un mari. Nick, j'ai besoin de ton aide. Je m'aperçois que ma mère est en train d'essayer de la tuer petit à petit. Et si pour empêcher qu'elle continue, il faut que j'entre dans son jeu, alors je vais le faire. C'est la seule façon de sortir Rose de ce pétrin. Franny, écoute, j'aime ta sœur Rose. Mais parfois, je me demande où tout ça va finir. Tu lui demandes trop, à mon avis. Et tu en demandes trop à tout le monde. Si ta mère ne te laisse pas t'en occuper, tu ne vas pas repartir. Il se peut bien que j'en demande trop. Oui, Franny. Beaucoup trop. Je t'en prie, allons-y, tu veux? Tu n'en feras jamais autant pour moi, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de m'asseoir ici et de m'apitoyer à cause de toi. J'ai un emploi, du moins jusqu'à nouvel ordre. Si tu décides de revenir, tu rapporteras mes affaires. Thank you.
Comment ça va aujourd'hui, Rosetta? Fa dièse. Hein, pardon? Fa dièse. Ah, la sirène, tu veux dire que la sirène est en fa dièse. Dis-moi, tu aimes la musique, Rosetta? J'aime la musique, absolument. Oui, moi aussi. Dis-moi, quel genre de musique tu aimes? Le rock and roll? Le classique? Mozart? Mozart, né en 1766 à Salzbourg en Autriche, a fait ses débuts à Vienne en septembre 1762. Mort 1791, à l'âge de 35 ans. Tu as failli mourir aussi, hein, Rosetta? Failli mourir, absolument. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Rosetta, je suis là pour t'aider, mais il faut que tu m'aides toi aussi. Tu veux retourner à la maison, n'est-ce pas? Rosetta, Rosetta, qu'est-ce qui s'est passé la nuit où tu as bu l'ammoniaque? Rosetta, reste assise tranquille, personne ne te fera de mal. Rosetta, calme-toi, personne ne te fera de mal, calme-toi. Rosetta, Rosetta, calme-toi. Rosetta, calme-toi. Alors votre fille passera ici les 30 prochains jours. C'est une condition requise par la loi pour toutes les tentatives de suicide. Ou jusqu'à ce qu'on ait découvert pourquoi elle a essayé de s'enlever la vie, et ainsi pouvoir lui apporter l'aide dont elle a besoin. Notre mandat à nous est d'établir un diagnostic, une évaluation et une thérapie. Nous n'avons pas le choix, la loi nous y oblige. Il vous sera impossible de vous rapprocher suffisamment de Rose pour découvrir de quelle façon vous pouvez l'aider. Madame Andrada. Il y aura bientôt 30 ans que je vis à ses côtés. Et j'apprends encore aujourd'hui comment communiquer avec elle. Mais essayez de comprendre que c'est une question de bureaucratie. Elle devrait être rétablie physiquement d'ici la fin du mois. Et nous pourrons alors faire une meilleure évaluation de sa condition. Est-ce que je peux la voir maintenant? Mais oui, madame, bien sûr. J'ai sacrifié toute ma carrière pour avoir mes enfants. Les docteurs m'ont dit qu'il serait un réconfort dans ma vieillesse. Nous avons remarqué que Rosetta a une perception plutôt inhabituelle de la musique. Ah, oh, vous devez comprendre ce qu'est une âme d'artiste. C'est une bénédiction et un fléau. Vous voulez parler de ses aptitudes musicales? Ah, non, 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 Rosetta ne fait qu'imiter. Une artiste ressent. Nous interprétons. Mesdames, attendez. Excusez-moi un moment, je vous prie. Merci. Docteur. Mais il ne nous a pas fait venir ici pour parler de toi. Je voulais seulement lui expliquer à propos de Rosetta. Ah oui, quoi? Qu'elle est une sorte de singe savant, qu'elle ne peut pas ressentir ce que tu ressens? Madame Basilio, Rosetta repose confortablement. Le moment est peut-être mal choisi. Mais vous m'avez dit que je pourrais la voir. Eh bien, oui, je sais, mais apparemment, durant son examen, ce matin, Rosetta est devenue très agitée. Il semble que le docteur Bannman a dû lui administrer... Excusez-moi, je vous prie. Madame Andrada, je vous en prie, attendez. Rose? C'est Franny. Je veux être mise au courant de tout ce que vous lui donnez. J'ai été forcé de lui donner un calmant pour sa propre protection. Votre fille est devenue très agitée quand je lui ai parlé des événements qui auraient pu marquer le jour de son accident. Madame Basilio, y aurait-il eu quelques perturbations dans sa vie? Excellente question. Non, pas vraiment. Enfin, elle s'est cassée la cheville et le docteur a dit qu'elle devrait rester à la maison. Mmh. Est-ce qu'elle aime les chocolats? Ceux-ci sont ses préférés. Merci de votre sollicitude, docteur. Mais je veux ma fille avec moi à la maison dès que possible. Elle ne va pas rester avec toi, maman. Elle vient à la maison avec moi. Je suis sa mère. C'est à moi qu'elle... Si tu crois que tu peux m'en empêcher, j'ai une surprise pour toi. La police t'en empêchera. Maman, essaie de te calmer. Tu veux ne serait-ce qu'une seconde. La question est de savoir ce qui vaut mieux pour Rose. Et je crois que je peux m'en occuper mieux que toi, parce que je la connais beaucoup mieux que toi. Si tu veux une fille, alors fais-en une. Les heures de visite se terminent dans 3 minutes. Oui, je sais. Venez. Pour
Pourquoi tu as voulu te faire du mal? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi j'ai mal? Parce que tu as bu de l'ammoniac. Il n'y a plus... plus de douleur au ciel. Rosetta, est-ce que tu veux rester ici dans cet hôpital? Je veux rester ici, absolument. Est-ce que tu veux rester ici dans cet hôpital ou sortir? Sortir ou rester? Je veux sortir. Je veux sortir. Bien, parce que je vais te faire sortir. Et maman te veut à la maison. Mais il faut que tu m'aides, il faut... Quoi? Non. Non, non, non. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Chut, ça va. Ça va. Le mauvais est parti. N'y pense plus, c'est fini. Pense à toute la merveilleuse musique qu'on écoutait toutes les deux. Comme quand on est allé à l'opéra, tu te rappelles? C'était quand, ça? Est-ce que tu te rappelles? Vieux chiffon. Vieux chiffon. Vieux chiffon. Chiffonnier. Vieux chiffon. 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 Rose, allez hop, il faut partir. Sinon, on va être en retard. Hop, faut partir. Hop, faut partir. Franny n'aurait jamais dû acheter ses billets sans m'en parler. Franck, empêche-la d'y aller. On n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait faire. Mais que veux-tu qu'elle fasse? Elle va à l'opéra. C'est son préféré, la Forza del Destino. Elle devrait rester. Elle serait tout aussi heureuse à écouter maman sur le phonographe. N'est-ce pas, Rose? À 87 ans. Oui, tout aussi heureuse. Absolument. Rose, il faut y aller. D'abord, présente. Maman, j'ai payé tellement cher. Ah, venez, s'il te plaît. Pas l'en empêcher, voyons. Vous êtes tellement belles toutes les deux. Oh. Tu me rapporteras le programme, oui, bien chérie. Sûr, bien en 1862, la Forza del Destino. Oh mon Dieu. Vienne, vienne, Rose, vienne. Allez, viens, Rose. Et revenez tout droit à la maison. Elle n'est pas vraiment morte, elle a juste fait semblant. C'est seulement du théâtre. Allez, viens, allons-y. Allez, viens. On va aller manger une glace. Allez, viens. Allons manger une glace, d'accord? Elle n'est pas morte, absolument. Mais malade. Très malade. Rose? Malade. Elle n'est pas malade. Elle faisait semblant, tout simplement. Faisait semblant. Absolument. Elle a fait semblant de mourir. Ensuite, elle est revenue sur scène et quand le rideau s'est ouvert, les gens l'ont applaudi. L'ont applaudi. Franny. Tu sais où cette actrice est probablement maintenant? Pas au paradis. Au paradis, mangeant du spaghetti avec l'oncle Vinny. Non, non. Elle est probablement dans sa loge en train d'enlever son costume. Ah mon Dieu! Elle doit avoir froid. Partout. L'oncle Vinny lui est vraiment décédé parce qu'il avait 90 ans. Alors, il est allé au paradis manger du spaghetti avec ses amis. L'oncle Vinny est au paradis avec ses amis. Au paradis. Le paradis, c'est comme un endroit où on va, où tout est enchanté comme dans les contes de fées.
où il n'y a personne de malade, de pauvre ou d'infirme. Où tu serais normale et je ne serais pas paralysée. Il n'y a plus de douleur au paradis. Il n'y a plus de douleur au paradis. Freinez. Il n'y a plus de douleur au paradis. Freinez. Bonsoir, maman. Où étiez-vous passée? Tu sais l'heure qu'il est? Oui. Oh, je m'excuse. Il est presque minuit. Oui, on serait rentrés. J'étais malade d'inquiétude. Mais l'opéra a duré mal longtemps. Inutile de mentir. Mais on n'a rien fait de mal. Maman, Juliette et Violette sont toujours rentrées à l'heure qu'elles voulaient. Et tout le monde s'en foutait. Ce genre de langage est inacceptable dans cette maison. Tu me déçois beaucoup, Francesca. Mais elle est très malade. Je sais, maman, et je m'en excuse. Qui sait ce qui aurait pu arriver à ta sœur? Regarde-la. Tu sais qu'elle n'est pas normale. Assez. Tais-toi, Rose. Ça suffit. Ne me refais plus jamais ça. Allez, allez, viens. L'oncle Vinny, il est... Allez, viens. Il est au paradis, mangez des spaghettis. Maman, à 55 ans. Madame Basilio, ne soyez pas si dure avec elle. Madame Sims, Francesca doit apprendre la différence entre le bien et le mal si elle veut survivre dans ce monde. Il faut dormir à présent, ma chérie. Tout ça, c'est la faute de maman. Si seulement elle pouvait cesser de s'en prendre à nous. Non, 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 Franny. Essaie de comprendre, ma chérie. Tommy a quitté la maison aujourd'hui. Il s'est trouvé un emploi à Détroit. Il n'a dit à personne avant ce matin. Ça ne m'étonne pas. Elle n'a jamais rien fait pour nous donner envie de rester. Et maintenant que Juliette et Violette sont parties aussi, elle a peur de rester toute seule. Qu'elle vous a dit? Que vous étiez tous élevés à présent, que je n'étais plus nécessaire. Rosetta a besoin de vous. Elle ne peut pas faire Annie. Ça. Je vous paierai. Je vais demander l'argent à papa. Annie, chérie, j'ai aussi ma fierté. Oh, voyons, voyons. Ce n'est pas la fin du monde. Je serai pas très loin en ville chez ma sœur. Oh, Franny, ma petite, je sais que tu te débrouilles toute seule. C'est Rosie qui m'inquiète le plus. Je veux que tu me promettes de ne jamais cesser de t'en occuper. Sinon, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Promis. Rose, viens un peu ici. Non, ma chérie, ça va l'agiter. Les jeunes qui sont actifs ont besoin d'un bon dîner nourrissant. Alors pourquoi ne pas leur servir un repas non seulement bon pour eux, mais qu'ils aimeraient? Réchauffez et servez-leur des fèves au lard avec des saucisses bonnes. Et regardez-les se précipiter sur ce repas. Rose, c'est très important. Alors écoute avec attention. Avec attention. Madame Sims est partie. Maman l'a renvoyée. Elle est partie. Elle est partie. Absolument. Vraiment. Elle est partie. Violette est partie. Le 14 juin 1939. Juliette est partie le 9 juillet 1942. Il était 5, 6, 7, 8, 8h30 du matin. Le 9 juillet, c'était nuageux. Très nuageux. Oui, nous, on va rester ici
Jusqu'au jour de notre mort. Le 12 juin, c'est vendredi. Le 12 juin, c'est ensoleillé. Avec un peu de vent. Votre pancarte dans la vitrine dit que vous demandez une serveuse et on vous en offre deux pour le prix d'une. Vous devriez y penser, et regardez les monsieur. Rose est une bonne travailleuse. Meilleure que moi, Reddy. On pourrait travailler à n'importe quelle heure. Bonne sauce tomate. Essayez les fèves au lin. Burns, c'est les adopter. Quand Burns est là, quand Burns est là. Allez, viens, on se régale. Viens. Pour un repas idéal. Les produits Burns n'ont pas d'égal. Elle n'a pas besoin de salaire, je serai toujours là pour la surveiller. J'ai pensé que vous auriez peut-être des petits travaux pour elle. Pourquoi a-t-elle besoin de surveillance? Regarde-moi, mon enfant. Regarde-moi dans les yeux. Qu'elle sorte d'ici, on est là. Mais pour qui vous prenez-vous au juste? Je ne vois dans son âme que de la noirceur. Allez au diable, si vous êtes aussi aveugle! Elle peut travailler. Je vous demande seulement une période d'essai de 2 semaines, sans salaire. Et je serai là avec elle. Et si ça ne marchait pas, pour une raison quelconque, nous partirons tout simplement, en vous remerciant de nous avoir permis de... Excusez-moi. Non, non. Je pense qu'on pourrait peut-être accepter votre proposition. Le travail débute à 8 heures précises. Elle peut se plier à un horaire régulier? Ah, bien sûr. Mademoiselle Evans va vous procurer des uniformes. Vous êtes à l'essai pour 2 semaines. Bonne chance. De 6h à 8h, les petits matins. De 8h à 9h, les recettes de Colette. De 9h à 9h15. Le plus important, c'est l'uniformité. Oui. Chaque salade qu'on prépare doit être exactement comme la précédente. L'essentiel, c'est la pré-production. Les gros, un quart de pouce. De allez, essayez. Rose, l'heure du tais-toi. Un quart de pouce, pas un demi-pouce. Si vous n'avez pas les doigts assez rapides, ce n'est pas votre place ici. Il faut du rythme. Travaillez ici, les gars. Donnez-lui une chance. Regina, basta. Rosetta et moi, on a trouvé un emploi aujourd'hui. Tu n'abandonneras jamais, hein? Je vais faire tout ce que je peux pour donner à Rose la chance d'avoir une vie autre que de crever ici, dans cette maison. Mais elle a une vie ici, avec nous. Ça ne suffit plus à présent. Il n'y a que Francesca qui sache ce dont sa sœur a besoin. Madame Sims la comprenait mieux que personne et tu t'es occupée de ça aussi, n'est-ce pas, maman? Ah, c'est donc ça le problème. Tu veux quitter la maison, la conscience tranquille. Comme Tommy et tes sœurs. Tu veux partir et me laisser aussi. Il ne s'agit pas de ça et tu le sais très bien. Tu veux torturer ta sœur? Vas-y. Si tu mettais autant d'espoir dans tes propres capacités, tu réussirais peut-être à faire quelque chose dans la vie. Ta sœur Rosetta est ce qu'elle est. C'est ça qui est sa vie. Même si ça n'est plus assez bien pour toi.
Ceci est pour le troisième. Je vais vous montrer. Oh. Elle sait ce qu'elle a à faire, mademoiselle Basilio. Quant à vous, vous me paraissez plus apte à un autre genre de travail. Avec votre bras. Vous cherchez quelqu'un en particulier? Vous êtes un patient ou vous attendez d'être admis à l'hôpital? Je suis en visite. Alors enlevez vos pieds de sur le lit. Ce n'est pas un hôtel ici, vous savez. Hé! Hey! Vous vous êtes blessé le bras au travail? Non. J'ai été piétinée toute petite par un rhinocéros. Né, qui viene? Non, non, aspetta. Aspetta. Vieni. Le dernier qui m'a fait ça s'est retrouvé dans le plâtre. Mais je n'ai rien fait, c'est lui qui vous a passé. Eh bien, j'imagine que c'est une vieille habitude de famille. Vieni, Marco, mangiare. Ho fatto niente. Basta. Voilà, Rose. Mademoiselle Evans me fait travailler ailleurs pour voir comment tu te débrouilles toute seule et tu es là, aboyer comme un chien. Aboyer comme un chien, absolument. Continue comme ça et tu vas être renvoyée. Renvoyée, absolument. Oh, quelle misère. Quelle misère, quelle misère. Les bols à soupe sont là-bas, Rose. Viens, ici. Fais pas ça, ne fais pas ça. Non, c'est pas grave. Oubliez ça. Je sais que c'est pas méchant. Je ne veux pas que tu fasses ça. Salut. J'ai appris que mon grand-père allait sortir demain. Parfait. Maintenant, remontez au troisième. Vous n'êtes pas ennemi à la cuisine. Et je crois que je vous connais, vous. Vous avez un frère qui s'appelle Tommy. Oui. Je m'appelle Nick Andrada. On jouait au hockey tous les deux ensemble. Eh bien, peut-être qu'on se reverra un de ces jours. Ça, j'en doute. On ne sait jamais. Hé, hey, Rose, notre période d'essai est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'une semaine. Plus qu'une semaine. C'est un robe d'opéra. Ouais. Maman a un concert en septembre le 14. Plus qu'une semaine. Mais ce soir, c'est ma robe de cinéma. Il faut bien te conduire pour aller avec maman au concert. J'espère que Nick aime les filles qui se conduisent bien. Il faut bien te conduire. Et pour pouvoir. Oublie ça un instant. Rose, il faut que je te conduise. Il faut bien te conduire. Dis-moi, Rose. Supposons qu'un garçon s'approche de toi. Qu'il veut te toucher ou te forcer à faire des choses. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis seulement bas les pattes. Bas les pattes. Francesca! C'est bon. On reparlera de tout ça plus tard, d'accord? Eh bien, finalement. Bas les pattes. Heureux de vous avoir rencontré, monsieur et madame Basilio. Bas les pattes. Ramenez Francesca avant minuit. Bas les pattes. Sa mère et moi allons à la répétition pour le concert. Nous sommes de retour vers 11h. Bien, monsieur. Bas les pattes. Bonne soirée. Bas les pattes. Franck, dépêche-toi de t'habiller. Ah, pourquoi tu tiens à ce que je porte un collant baisé devant tes amis, hein? Que tu aies l'air d'un monsieur. Oh. Rosetta, qu'est-ce que tu fais là? Regina, lâche-la, enfin! Il n'y a aucun mal à ce qu'elle joue du piano tout de même, non? Tu sais que tu ne dois pas être ici toute seule, n'est-ce pas? Il faut bien te conduire si tu veux pouvoir aller avec maman au concert. Il faut bien te conduire si tu veux pouvoir aller avec maman au concert.
Il faut bien te conduire. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Pourquoi est-ce que tu conduis? Va t'habiller, Franck, tu as vu l'heure? Au bout de semaine, tu ne fais que parler de ce concert, elle veut venir avec nous. Rosetta, la radio joue. Rosetta, va écouter la radio. La radio, Rosetta. Va écouter la radio, Rosetta, va! Il faut bien te conduire pour pouvoir aller avec maman au concert. Tu sais qu'elle ne peut pas venir avec nous. Cette répétition est très importante. Suppose qu'une des élèves chante un peu faux. Tu sais ce qu'elle fait, Ma, quand ça se passe. Et alors, on s'en fout. Franny l'amène souvent à l'opéra, mais toi, Regina, tu ne veux aller nulle part avec elle. Laisse-la au moins venir à la répétition ce soir. Tu penses que ça changerait quelque chose pour elle? Ma, tu non capisci niente. Elle veut y aller pour toi, comme elle joue du piano pour toi. Elle veut. Regina, elle veut que tu l'aimes. Tu sais, toi et Franny ne la voyez pas comme elle est, mais comme vous voudriez qu'elle soit. De toute façon, elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Elle ne peut pas ressentir l'amour. Mais qui ne peut pas sentir l'amour? Hé, hey, Nicky! Nick, tu viens avec viens nous! Viens un peu ici. Allez, viens. Vous préféreriez peut-être aller avec eux? Qui, ces gars-là? Mm-hmm. Oh, je les vois tous les jours au travail, ça me suffit. Ah, voyons. Ah, laissons faire, il veut pas nous voir, viens. Écoutez, si vous ne voulez pas voir ce film, on peut aller ailleurs. Ce n'est pas ça, c'est... Quoi? C'est... Si votre bras me dérangeait, je ne vous aurais pas invité. C'est bon, va vider le lave-vaisselle à présent, Rosetta, et quand tu auras terminé, va chercher un chariot près de l'ascenseur. Essayez de vous appliquer un peu, Franny. Ce n'est pas très appétissant, tout ça. Salut, Rose. Salut. Hé, hey, les filles, vous voulez un peu de compagnie? Franny, il faut que je vous parle l'instant. Bien sûr. Non, Rose, reste assise. Et mange. Hé, hey, Rosie, ma chouette. As-tu déjà été au jardin zoologique? J'ai entendu dire que les Italiennes, c'était de vraies lapines. On pourrait t'enseigner toutes sortes de trucs comme t'en as jamais vu avant. On pourrait aller faire une petite promenade tous les deux. Bas les pattes. Bas les pattes, Rick. Bas les pattes. C'était juste au cas où tu l'aurais. Tu veux me ramasser ça, petite casse? Tu vas ramasser ça toi-même. Elle a son travail à faire. Mais elle. Viens, Rose. Allez, viens. L'uniformité, c'est chut. Essentiel en pré-production, pré-production. Chut. J'essaie de dormir, Rose. Un quart de pouce, pas un demi-pouce. Rose, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Je pourrais t'enseigner des tas de trucs. Qu'est-ce que t'as sous ton chandail, Rosie, ma chouette? De quoi tu parles, au juste? Sous ton chandail, sous ton chandail. Rose? Est-ce que Rick t'a touché? Pas les pattes, Rick. Pas les pattes. Oui, c'est bien. Très bien, c'est ce qu'il faut dire. Bas les pattes. C'est exactement ce qu'il faut dire. Si quelqu'un essaie de t'embêter, c'est ce qu'il faut dire. Tu dis bas les pattes. C'est absolument ça. Absolument. J'ai parlé individuellement à presque tous les employés de la cuisine.
à part vous. Est-ce que vous croyez qu'elle est prête? Oui, je crois bien. Mm-hmm. Sois la bienvenue à Saint-Gérard, Rosetta. Tu peux le prendre, c'est à toi. Mets-le dans ta poche. On peut rester, si tu veux rester. Je veux rester, absolument. J'ai le sentiment que Rose sera parmi les meilleurs employés que nous ayons jamais eus. Je vous remercie de nous l'avoir amenée. Merci, merci. J'ai beaucoup de difficultés à la suivre moi-même, parfois. Vous pouvez rester aussi, Franny. Je vous remercie beaucoup. Peut-être que oui. Dis-moi encore quelques semaines, je verrai. Bah, où est passé tout le monde? Toujours en retard, ces enfants. Oh, ils devraient être là bientôt. Ils savent qu'on les attend. Franco, tu t'es pas encore habillé. Attache ton col. Où est ta cravate, hein? Oh, Regina, piacere, je cuisine. Mais tu n'es jamais satisfaite. Juste une autre bouchée, Rose. Sinon, tu vas te couper l'appétit. Garde-en pour après le dîner. Après le dîner, à 6 heures. Jour du marché demain. Avec papa dans la Studebaker. Tu y vas toujours dans la Studebaker. Papa t'emmène avec lui dans la Studebaker. Papa m'emmène toujours. Franco! Ma cosa c'è? Franco, mio amore, parlami. Franco! Viens, maman. Franco, tesoro. Maman, il faut que tu montes dans l'ambulance. Franco, mi amore. Eh bien. Tommy. Essaie de te calmer, maman. Monte dans l'ambulance. Je vais te suivre en voiture. Doucement. Allez, ça va. Samedi, jour de marché. Quand on pleure, c'est parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, pas parce qu'on le veut. J'ai pleuré. 19 juin 1933. Tombé sur le menton. 20 juillet 1935, je me suis frappé le coude. En décembre 1936, le 18, égratigné mon genou. Le 13 juillet 1937, coupé mon doigt mal. Papa a mal. Papa n'a plus mal maintenant, il est au ciel. Il n'y a plus de douleur au ciel. Il n'y a plus de douleur au ciel, absolument. Franny. Bien, Rose. Bien. Oh, Tommy. Une de vous deux va devoir s'occuper de maman. Pendant un certain temps, j'ai un nouveau travail. Je ne peux pas rester. Franny, maman peut se débrouiller toute seule. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle.
Samedi, jour de marché. Allons dans la Studebeck. Papa m'emmène toujours. Attends, Rose. Samedi, jour de marché. Écoute, Rose, assieds-toi. Allez. Rose, Rose, écoute-moi, assieds-toi. Allez, viens t'asseoir. Rose, Rose. Franny, Franny. Rose, Rose, arrête. Allô, 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 allô. Ça va, ça va, ça va, ça va. Doucement. Doucement. Allez, c'est fini. C'est fini. Doucement. Doucement. C'est fini. C'est fini. Franck. C'est fini. Je t'aime, Franck. C'est fini. Bonjour, mes Roses. Je passe te prendre à 5 heures. Attends-moi ici, à la porte, après ton travail. Pensais disparu à tout jamais. Tom n'a plus de nouvelles de vous et vous voilà tout à coup comme si on s'était vu la semaine dernière. Ah ben, j'aime bien revoir mes anciennes flammes. Oui, une sortie d'un soir. Oui, mais vous m'avez fait une impression inoubliable. Ah, et vous aussi. Ah ouais. Et qu'est-ce que je portais? Et moi, qu'est-ce que je portais? Une robe en velours bleu. Oui, je prendrai un hamburger, un coke et pour la jeune dame, un café au lait. Merci. Et maintenant, il parle de me transférer dans l'Ouest comme gérant des ventes pour 2 ans. Ce n'est pas ça qui va aider nos rencontres une fois tous les 5 ans. Pourquoi vous n'avez jamais rappelé? Oh bien, j'ai eu l'impression que vous ne vouliez plus me voir. J'ai été si méchant. Ouais, 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 je me souviens avoir pensé... Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour impressionner cette fille? Non. Et ensuite, je me suis dit, elle est beaucoup trop forte pour moi. Oh oui, je me rappelle, je me suis dit, Nick, fais attention. Tu vas tomber amoureux de cette fille et elle va finir par te dominer. Vous vous sous-estimez, je crois, Nick. Bon, il faut savoir reconnaître ses propres capacités. Il ne faut pas se sous-estimer non plus. Tu es prête, Francesca? Oui, maman. On va aller voir si les enfants sont prêts. Franny. Tu es ravissante. Les réactions de Rose auront beaucoup d'importance au cours des prochains jours, maman. Tu sais, ma chérie, j'ai su me débrouiller dans la vie avant que tu viennes au monde. Et si jamais ça ne marchait pas, tu peux me l'envoyer dans l'Ouest. Je peux la garder avec moi. Nick est d'accord avec ça. Il faut toujours que tu t'inquiètes, hein? J'ai essayé d'imaginer ce jour. Toute ma vie et maintenant... Qu'essayais-je? J'ai tellement peur que j'ai envie de courir me cacher quelque part. Toi aussi, tu as eu peur? Peur du mariage? Non. J'avais peur de poursuivre ma carrière. J'avais peur du succès. Dieu m'a donné une voix. J'en ai fait quoi? J'ai eu des enfants et j'ai refusé toutes les possibilités de me faire un avenir. Le mariage, c'était sécurisant. Mais c'est devenu mon châtiment pour avoir gaspillé mon talent. Mais ce sera parfait pour toi. C'est ce qu'il te faut à toi. Et Nick est si gentil. N'aie pas peur, chérie. Tout ira très bien, crois-moi, tu verras. Crois-moi. Tout le monde t'attend. Viens, dépêche-toi.
Rose. Allez, viens, chérie. Allez, viens. Descends là. Allez, viens. J'ai seulement une question. Dis-moi, laquelle j'ai épousée? Ah, Madame Sims, merci pour tout. Rose, je vais partir vivre dans une autre ville. Mais je vais t'appeler et je vais t'écrire. Écrire? Absolument, Fran. Je t'aime. Je t'aime, Fran. Fais attention. À toi. Oui. Mais je vais t'appeler, et je vais t'écrire. Mais je vais t'appeler, et je vais t'écrire. Mais je vais t'appeler, et je vais t'écrire. Mais je vais t'appeler. Viens me parler un peu pendant que je prépare le dîner. Une lettre de Fran. Rose, tu as entendu ce que je t'ai dit? Oh! Rose, reviens en bas une avec moi. Une lettre de Fran. Rose. Une lettre de Fran. Rose, reviens en bas avec moi. Tu vas dormir dans ma chambre maintenant, comme quand tu étais petite. Fais pas ça, Rose. Arrête, Rose. Rosetta, s'il te plaît, ne fais pas ça. Arrête, Rose. Rosetta, s'il te plaît. Rosetta, qu'est-ce que tu as? Réveille-toi, Rosetta. Réveille-toi. Rosetta, réveille-toi. Le cauchemar est parti, Rosetta. Le cauchemar est parti. Rosetta, s'il te plaît, réveille-toi. Rosetta. 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 S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Quoi? Oh! Oh, est-ce que c'est cassé? Oh, allez, viens, entrons. Rosetta, allez, viens. Rose, j'étouffe. Ne sois pas ridicule. C'est une fracture de la cheville. Elle devra garder son plat durant 8 semaines. J'étouffe. Rose travaille ici à la cuisine, docteur. Pas pour les 8 prochaines semaines, je le crains. Les assurances l'interdisent. Merci, docteur. Ne fais pas ça, Rose. Ne fais pas ça. Thank you.
Où est-ce que tu vas comme ça? Être ici à 8 heures précises. Allez, recouche-toi, précise, Rosetta. Absolument. Rosetta, s'il te plaît, assieds-toi. Remets-toi au lit. Mardi matin. Pré-production. Remets-toi au lit, immédiatement. Recouche-toi. Recouche-toi. Être ici à 8 heures précises. Mardi matin. Pré-production. 8 heures. Précises. Rosetta, Rosetta, viens ici. Je t'ai cherché partout dans les environs. Tu ne peux pas aller travailler. Rentre à la maison. Allez, lève-toi, lève-toi. Debout. Oh, elle est malade. Qu'est-ce qui se passe? Rosetta. Mais il faut que quelqu'un appelle le médecin. Allô, Betty? Est-ce que Tommy est là, s'il te plaît? Non, non, rien de grave. Demande-lui de me rappeler quand il rentrera de Chicago, d'accord? D'accord. Merci. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je voudrais être morte. Je voudrais être morte, absolument. Aller au paradis. Il n'y a plus de douleur au paradis, Franny. Aller au paradis. Il n'y a plus de douleur au paradis, Franny. J'étouffe. Personne ne veut de nous. Il n'y a même plus personne qui appelle. Si je meurs, tu ferais mieux de mourir avec moi. Tu ferais mieux de mourir absolument. J'étouffe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Rose? Enlève tes doigts de tes oreilles et écoute la musique. Écoute la musique. Écoute. Rose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Léonora ne veut pas aller chercher son costume. Léonora, elle essaie. Léonora, elle va... Elle va... Elle va mourir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je voudrais être morte. Oh mon Dieu. Franny est revenue. Franny est revenue. Je suis là. Je ne vais plus aller nulle part. Nulle part sans toi. Jamais. Est-ce que tu comprends? Non, jamais. Je ne te laisserai plus jamais seule, ma Rose. Plus jamais.
veux jouer pour moi? Allez, vas-y. Essaie. Pourquoi tu es ici, n'est-ce pas, Rosetta? Je comprends. Absolument. Et pourquoi es-tu ici? Parce que tu as essayé de te faire du mal, n'est-ce pas? Essayer de te faire du mal? Oh mon Dieu! Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Rosetta, as-tu toujours envie de te tuer? Comment te sens-tu maintenant? J'étouffe. J'étouffe. D'après ce que j'ai pu observer, elle souffre de dérangements graves. À mon avis, elle devrait être internée à Stillwater. Je vais faire en sorte qu'elle soit transférée au plus tôt. On reste bien tranquille, les hommes. Pourriez-vous m'aider, je vous prie? Le docteur Bannman m'a donné la permission d'apporter ça. Bien sûr. Voilà. Je vais voir si je peux trouver une rallonge, d'accord? Merci. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'elle a? Hazel a passé quelques semaines à Stillwater. Ils ont décidé qu'il fallait contrôler sa violence. Hmm? Le docteur Bannman ou le docteur Harkness? Lequel c'était? Je ne sais pas comment il s'appelle. Il veut que Rosetta soit transférée à un autre hôpital. Quel hôpital? Still Lake. Non, Still Life. Quelque chose de genre-là. Il veut faire subir des tests à Rosetta. Franny, brosse-moi les cheveux, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit à ce cher docteur que nos problèmes de famille ne le regardaient pas. Est-ce qu'il a mentionné quelle sorte de test? Je n'ai pas envie d'en parler, s'il te plaît, Franny. Non, s'il te plaît. Très bien, maman. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre à l'hôpital et signer les papiers pour la faire sortir. Que je puisse l'emmener à la maison. Tu es bien comme ton frère et tes sœurs, n'est-ce pas? Tous pareils. Non, tu t'es servi maman. De moi tant que tu en as eu besoin et ensuite tu es parti. Non. Et maintenant tu veux avoir Rosetta. Tu veux m'enlever Rosetta, c'est maman. Ça que tu veux, je le sais. Qu'est-ce que tu as dit au docteur? Je ne leur ai jamais rien dit, maman. On peut faire sortir Rose ensemble, je n'ai qu'est-ce pas l'intention que... de te l'enlever. Il faut qu'on reste unis toutes les deux, maman, toi et moi. On reste unis. Oui, maman. Franny. Toi et moi. Tu vas à l'hôpital. Oui. Tu signes les papiers et tu ressors. C'est tout, maman. Tout ça à cause de son maudit emploi, Franny. C'est ça. C'était lui demander beaucoup trop. Maman, je vais à l'aéroport chercher Nick. On se reverra à l'hôpital. Madame, venez avec moi. Le docteur Harkness aimerait vous dire un mot. Restez tranquille. Vite, apporte la camisole. Mais restez tranquille. On ne vous fera aucun mal. Allez, venez. Suivez-moi. Allez. Ah, madame, vas-y. Non. Mais laissez-vous quoi, faire. Quoi, ça ne va pas? Venez, venez. Ah, ce n'est rien. Allez. Ce n'est rien, je vous en prie. Venez avec moi. Votre fille souffre d'une grave maladie mentale, madame Basilio.
Ma fille allait bien jusqu'à ce que j'accepte de vous la confier. Elle a empiré depuis qu'elle a été mise en contact avec les autres patients de cet hôpital. Quelle autre explication pouvez-vous offrir? Il n'y a pas d'explication pour ce genre de maladie mentale. Un quelconque défaut congénital, peut-être? Oh, c'est moi la coupable. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Rose a eu 4 ans, les médecins m'ont dit qu'il fallait l'interner à tout prix. Ils se trompaient grandement. Et pendant plus de 30 ans, j'ai pu m'occuper de Rose parce qu'elle allait bien. S'il vous plaît, essayez de comprendre que l'aider est notre seul but. C'est l'option la plus humaine. Je vous en prie, soyez objective. Stillwater est équipée pour ce genre de traitement expérimental. Elle recevra des soins professionnels et... si un malheur devait vous arriver... Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle essaie de s'enlever la vie de nouveau et que cette fois, Madame Basilio, elle puisse y arriver. Êtes-vous sûr de pouvoir sauver la vie de votre fille? Oh, Rose? Madame Andrada. Mais laissez-moi. Où est ma mère? Elle est ici. On doit ramener Rose à... Andrew, il faut que vous parliez au docteur Harkness. Comment? Pourquoi? Votre mère a signé les papiers pour envoyer Rose mais à lâchez-moi. Stillwater. Écoutez, non. Écoutez. Non, restez, je vous interdis de me toucher. S'il vous plaît. Non, lâchez-la. S'il vous plaît, madame. Lâchez-la. Écoutez. Rose. Mais calmez-vous. Lâchez-la. J'ai trouvé une dame. Maman. Oh. C'est mon vol qui a été retardé. Oh. Je ne sais plus ce que je peux faire maintenant. Elle a dit qu'elle ramènerait Rose à la maison et moi je l'ai cru. J'ai fait confiance à ma mère. Et peut-être que c'est plus facile pour elle que de garder Rose. Mais Nick, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire tout ce qu'il faut, Franny. On va trouver un avocat et demander son droit de garde légale. Franny, j'ai eu un mois pour penser à tout ça. Si être mariée avec toi, ça veut dire partager aussi la vie de ta sœur Rose, alors je suis prêt à le faire. C'est vrai. Et si ça veut dire qu'on doit déménager, alors on déménagera. Oh, Nick. D'accord. D'accord. Oh, Nick. Allez, viens. Viens. Nick. Maman, tu ne te rends pas compte dans quel genre d'endroit tu viens d'envoyer Rose? Ce n'est pas un hôpital, c'est le genre d'endroit où on attache les gens dans des camisoles de force, où on garde les gens derrière les barreaux. Elle va mourir là-bas. Notre Rose va dépérir et mourir à petit feu. Elle va s'enfermer en elle-même tellement profondément qu'elle ne sera plus jamais capable d'en sortir. C'est ça que tu veux, maman? Je sais ce qui s'est passé ici. Et je ne vais pas te laisser abandonner la partie ni pour elle ni pour toi. Nick et moi, on va revenir. Il va reprendre son ancien emploi. Afin que je sois près de Rosetta. Je veux que ma fille me soit rendue, docteur. C'est Franny. Oui. C'est moi. Maman est morte le 4 août. Il faisait chaud. Très chaud. Maman est au ciel maintenant, Rose. Au ciel. Elle mange du spaghetti avec l'oncle Vinny. Maman mange probablement du spaghetti avec papa. Papa est mort le 17 avril. C'était une journée ensoleillée. Il lui manquait beaucoup. Elle lui manquait vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Absolument. Il n'y a plus de douleur au ciel, Franny. Salut. Salut. Salut.